Chaque été, c'est le même constat. L'établissement français du sang manque de dons. Dans la métropole, on n'en est pas encore au stade de la pénurie, mais l'EFS est obligé de puiser dans ses réserves. Plusieurs explications à ce phénomène. Les donneurs habituels sont bien sûr moins nombreux pendant ces vacances, mais les besoins des hôpitaux, eux, restent les mêmes. L'EFS encourage tous ceux qu'ils peuvent à donner leur sang, même les touristes qui visitent notre belle région. Plus d'explications avec le directeur de la communication de l'EFS du Nord de France. Un malade, peu importe l'endroit où il se trouve, c'est un malade avant tout. Alors qu'il soit dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest ou au centre de la France, c'est un malade et on se doit de mettre à sa disposition ce qui est essentiel pour lui, c'est le sang. Eh bien, je dirais que c'est la même chose pour un touriste, qu'il soit de notre région ou d'une autre région, peu importe, c'est un être humain qui peut être amené à faire un don de lui-même pour la santé de l'autre.